Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer avec Fabienne et Philippe ce matin pour commencer. C'est leur deuxième participation déjà. Ils seront opposés à Rémi et à Sophie. Rémi et Sophie qui viennent de Belgique. Rémi est ingénieur, il joue également au football. Sophie est étudiante en traduction, anglais et russe, et elle fait du spinning. C'est du vélo en salle. Bonne chance à tous les quatre. C'est à l'aide d'un petit vélo qu'il fait tourner sa boule tous les matins, le hamster de France Télé, Thierry Beccaro. Bien. Mais les hamsters ont beaucoup plus de talent que moi. Hein. Oh non. Vous avez déjà vu, vous connaissez, les hamsters quand ça tourne dans sa roue, je peux dire que ça y va. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Je me souviens. Ne vous sous-estimez pas, Thierry. Mais non, mais je surestime les hamsters surtout. C'est quelque chose. Hein. Ma fille aînée avait un hamster qui s'appelait Bidule. Hein, j'ai déjà raconté ça. Ça faisait un potin le soir. Parce que la journée, ils dorment. Ils s'en mettent plein les bajoux, là, comme ça. Et le soir, ça cavale. Ça vous leur mettez un vélo, un vélib, là au hamster, là. Mais ils vous traversent Paris, mais je vous dis pas. Non, c'est du costaud. Hein. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à parler des hamsters comme ça pour commencer l'émission. Enfin, puisque c'est Tom qui me lance là-dessus. Je ne sais pas, ça a suscité ça, cette espèce de boule qui tourne. Je me suis dit... Ah ouais, mais ouais. C'est un peu mon domaine. C'est un peu votre maison, surtout. C'est un petit peu ma maison. Bon, et si on faisait connaissance avec nos quatre candidats, nous allons redécouvrir... Fabienne et Philippe. Bonjour Fabienne. Bonjour. Ça va bien Philippe ? Oui, très bien. Bon, vous venez toujours, rappelez-moi le nom de cet endroit merveilleux. Beaulieu-sur-Dordogne, la Riviera Limousine. Oui, oui. Vous êtes invité d'ailleurs au fait. Ah, est-ce que je peux venir avec Tom ? Oui. Ah. Oula, pas sûr. Il n'avait pas prévu ça à mon avis. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Je connais un peu la région, je peux vous dire que c'est magnifique. Mais comme je vous le disais l'autre jour, n'en parlez pas trop. Ben oui, mais... Sinon, vous allez être envahi et tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez besoin de touristes. Oui, voilà, oui. Bon. Pour faire vivre la région. Alors, Beaulieu-sur-Dordogne, allez-y. Voilà. Fabienne ? Moi, je suis du Lot, un petit village qui s'appelle Puybrun. Pas mal non plus. Bah, faites-nous rêver un peu, alors est-ce qu'il faut venir chez vous aussi ? Oui, parce que c'est pas loin de Rocamadour, pas d'Irak, plein de touristes. Est-ce que je peux venir avec Thierry ? Oui, pas de souci. Bon, vous voyez, vous êtes le bienvenu, vous. Le pas de souci est assez gênant pour moi, pour le coup, voyez. Ah oui, non, mais avec grand plaisir, Tom. Merci d'être avec nous, Fabienne. Bonjour, Sophie. Merci. Bonjour. Bonjour, Rémi. C'est la première fois que vous êtes parmi nous ? Oui, c'est ça. Et vous arrivez de Belgique. De Belgique. Et d'où précisément, Sophie ? Près de Mons. Près de Mons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie ? Étudiante. Étudiante. En traduction, c'est en ça. Anglais et russe. Anglais et russe. Et vous, Rémi ? Je suis ingénieur. Dans quel... mécanique. En mécanique. En mécanique. Bon, voilà deux domaines dans lesquels je ne vous ennuierai pas. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer tout de suite par la distribution des grilles. Rémi, Sophie... Détendez-vous, ça va très très bien se passer. Comment on dit motus en russe ? C'est bien bonne ça. Bonne question. Ça c'est bien, que vous en avez d'autres des comme ben ça ? Non, mais je me pose la question. Bon, bonjour éventuellement, bon, j'espère que vous allez bien en russe. Mais motus, ça doit se... pourquoi pas garder ça, motus ? Ça doit exister. Hein. Ça n'existe pas en Russie ? Si, je pense. Mais... Si, hein, ça existe. Il y en a partout dans le monde entier. Ouais. Ben oui, ça existe. Des motus. Non, mais je plaisante pas. Hein. Ah ben oui, je... Renseignez-vous, regardez là, dans M'engueulez vos papiers. Pas Thierry. Hein. Est-ce que vous pourriez me parler... D'argent. En russe. Je vous reconnais bien là. Combien y a-t-il à gagner Il y a 2000 euros à gagner aujourd'hui Thierry. Et Goliath vous propose de découvrir Roll It, un jeu renversant où vous capturez et retournez les boules adverses. Mais gare au rebondissement. Et quand ça dégénère, on retourne le partenaire.
Vous n'auriez pas des chocolats par hasard? Bien sûr Thierry, les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux de vous offrir pour les fêtes cet assortiment gourmand composé de chocolat, de truffes, d'écorces ainsi que de savoureuses cerisettes. C'est gentil. Merci infiniment Tom. Nous allons commencer tout de suite avec Rémi qui a choisi des mots de... 9 lettres. 9 lettres? Oui. Bonne chance. Je suis de tout cœur avec vous. C'est parti. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E-S. Chafouine, C-H-A-F-O-U-I-N-E. Coiffante, C-O-I-F-F-A-N-T-E. Conférent, C-O-N-F-E-R-A-N-T. Confiture, C-O-N-F-I-T-U-R-E. Oh. Confident, C-O-N-F-I-D-E-N-T. Ben oui, puisqu'il y a le D. Ben oui. Le D de Coudray, entouré de jaune. C'est la panique. Voilà, donc vous l'avez trouvé. De toute façon, ça fait 50 points pour vous détendre. Vous allez mélanger, Sophie. Ah. Cinquante-trois. Rémi. 11. Le 11. Jusque là, ça va. Oui. Alors, nous continuons, Rémi, avec la lettre B. Baudroies. B-A-U-D-R-O-I-E-S. Boulanger. B-O-U-L-A-N-G-E-R. Bêcheuse, B-E-C-H-E-U-S-E-S. Bricolage, B-R-I-C-O-L-A-G-E. Bûcheron, B-U-C-H-E-R-O-N-S. Bicorne. Je pense que toutes les lettres du mot sont là, Fabienne. Voici la lettre I. Biscornu, B-I-S-C-O-R-N-U-S. Allons-y, Fabienne. Ah. Oh, c'est mou tout ça. 54. Alors, regardez ce que va faire Philippe, attention. Allez. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Ah bah il est allé la chercher celle-là, elle était au fond. Ah voilà, c'est de sa faute. Hein. Toi, tu vas avoir des problèmes, je te préviens tout de suite. C'est pas la peine d'aller faire un tour en Dordogne. Ah bah, non, c'est en Corrèze, c'est en Corrèze. C'est en Corrèze. Bah, bravo, bravo Thierry. Bien Rémi, à vous de jouer. Voici la lettre V. Vaudoise, V-A-U-D-O-I-S-E-S. Voiturage, V-O-I-T-U-R-A-G-E. Valoriser, V-A-L-O-R-I-S-E-E. Vallonné, V-A-2-L-O-2-N-E-E. Voilà. Parfait, Sophie. Voulez-vous mélanger, s'il vous plaît, pour prendre un numéro, le bon numéro? Le 25. Alors, le 25. C'est pas mal, ça, le 25. Le 51. Eh ouais. Rémi, si vous prenez le 51. Le 45. Le 45. Alors, nous continuons, Rémi. Nous cherchons un mot de 9 lettres, commençant par un I. Ignifugé. I-G-N-I-F. U-G-E-S. Imaginant, I-M-A-G-I-N-A-N-T. Inopiné, I-N-O-P-I-N-E-E-S. Indécise, I-N-D-E-C-I-S-E-S. Indocile,
INDOCILES. C'était un petit avertissement, Sophie, pour vous dire que vous aviez dépassé les 8 secondes. Donc, Fabienne va récupérer la lettre U. Induction. I-N-D-U-C-T-I-O-N. C'est pour mettre un peu de joie dans le... En plus, c'était assez joyeux. Oui, plus, mais ça, c'est ça, on passe la main. Eh ben, vous avez perdu les 12 000 euros. Bon, Sophie, à tout à l'heure. Philippe, vous mélangez. Vous méplaisez, Philippe. Vous aussi. 22. Fabienne. Vous méplaisez, Philippe. 66. Je pense que c'était dans un sketch de Pierre Dac et Francis Blanche quand il disait vous méplaisez. Mais vous aussi, vous méplaisez beaucoup. C'était 100 à 100. Philippe, voici la lettre D. Douanière. D-O-U-A-N-I-E-R-E. Fabienne. Différent. D-I-F-F-E-R-E-N-T. Distingué. D-I-S-T-I-N-G-U-E. Diplomate. D-I-P-L-O-M-A-T-E. Dialoguant. Non, trop long. Oui, c'est trop long, ça. Donc, Rémi, vous allez en profiter, j'espère. Voici la lettre bonus. Le... Défensive. D-E-F-E-N-S-I-V-E. Sophie. Déférence. Ouais, ouh. C'était un petit peu juste, hein, Sophie, oui. Malheureusement. Alors, Fabienne. Déférence. D-E-F-E-R-E-N-C-E. Si vous avez l'impression, Sophie, d'avoir trouvé le mot... Oui, j'ai peur que ce soit pas le bon. Avant les 8 secondes, n'hésitez pas, dites-le, parce que ça fait deux fois que vous me faites le coup. Oui. Juste après. Ah oui, déférence. C'est à Philippe de mélanger, comme il le fait si bien. Allez, Philippe. Oh là là. C'est 40. Minuscule, ça. Oh ben, j'ai pas de force. Allez. Regardez Fabienne. J'y vais, hein. C'est beaucoup mieux. Hein. 70. 150 points pour vous, Philippe. Fabienne, 100 points pour Sophie et Rémi. Philippe, c'est à vous de jouer avec la lettre J. Jardinage. J-A-R-D-I-N-A-G-E. Japonaise. J-A-P-O-N-A-I-S-E. Jugulaire, J-U-G-U-L-A-I-R-E. Jonquille, J-O-N-Q-U-I-2-L-E. Japonisme, J-A-P-O-N-I-S-M-E. Parfait. Alors, le 60, ce serait bien, Fabienne, le 60, pour marquer 100 points de plus. 44. Philippe. Change de technique. Le 16. C'est mieux. Ouais, ça fait quand même 100 points d'avance pour Philippe et Fabienne. Oui, Tom. Et ce sera le dernier mot, donc il ne faudra pas le rater, celui-là. Le mot qui rapporte 100 points, Fabienne, il est pour vous.
Et il commencera par un M. Moutarde. M-O-U-T-A-R-D-E-S. Mercredi. M-E-R-C-R-E-D-I-S. Manchette. M-A-N-C-H-E-T-T-E. Mercureux. M-E-R-C-U-R-E-U-X. Motricité. M-O-T-R-I-C-I-T-E. Pas mal, ça. Eh bien, victoire de Fabienne et de Philippe dans cette première partie. Bravo. Sophie, Rémi, c'est pas mal du tout pour une première, mais il y a deux mots qui vous échappent à la 9e seconde, on va dire. Sophie, Rémi, qu'on va applaudir très fort, s'il vous plaît. Bravo. Vous allez recevoir quelques cadeaux que Tom va vous présenter, comme il sait si bien le faire. Allons-y, Tom. Ordissimo est heureux de vous offrir son ordinateur portable 12 pouces. Facile d'utilisation, complet et sans virus, il est destiné à tous les débutants en informatique. Attendez, ça c'est formidable. Ça, c'est encore mieux. Ah ben, ça m'a l'air d'une simplicité, moi qui ne sais pas me servir de ce type d'engin. C'est très simple, hein, c'est ça? Oui, c'est très très simple, Thierry. Mais malheureusement, il faut jouer à Motus et vous présenter, je ne peux pas vous en donner. Mais moi, je vais aller aux sélections. C'est au mois de janvier à Paris. Je vais me présenter, quoi, non? Avec une moustache, une perruque et tout. On ne vous reconnaîtra pas. Ah, ben, ça fera la rue Michel, je vous le dis tout de suite. Sophie, vous voulez embrasser quelqu'un en particulier? Alors là, vous arrêtez de rire. Tocom, Mimil, Jumboobs, Buzz, papa, maman, enfin tout le monde, en fait. Ouais, voilà. Et donc je devais rire, là, c'est ça? Je savais que vous n'allez pas apprécier. Si, moi j'ai bien aimé. J'ai pas tout compris, mais il y avait Jumboobs. Jumboobs. C'est ma petite sœur. Ah, d'accord. Mmh. Ouais. Vous allez chercher loin pour les surnoms. Pas ça, hein. Ouais. Papa, maman, ça va, j'ai compris. Bon, on va laisser un petit peu de place pour Rémi. Moi je salue ma famille et mes collègues. Oh, c'est triste. Ouais. C'est vrai, ça fait pas rêver là. Il a pas travaillé. Et l'équipe de foot. Il a pas travaillé les surnoms, il a pas travaillé. Au moins la petite sœur, il se passe quelque chose, quoi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour assister à la super partie. Il y a 2000 euros à gagner. À tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le vendredi 16 décembre à Vannes, le samedi 17 à Nantes et le samedi 14 janvier à Paris. Alors composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. Et nous retrouvons Fabienne accompagnée de Philippe qui vont tenter de gagner 2000 euros. On était en train de négocier le temps. On s'est arrêté à 5 minutes. Bon, vous avez 5 minutes pour trouver 10 mots de 9 lettres. Ouais. Bonne chance. Merci. C'est parti. Populaire. P-O-P-U-L-A-I-R-E. Potentiel. P-O-T-E-N-T-I-E-L. Portique, P-O-R-T-I-Q-U-E-S. Portative, P-O-R-T-A-T-I-V-E. T'es où? Garagiste, G-A-R-A-G-I-S-T-E. Grelotté, G-R-E-L-O-T-T-E-R. Grenadier, G-R-E-N-A-D-I-E-R. Véhiculant, V-E-H-I-C-U-L-A-N-T. V-E-H-I-C-U-L-A-N-T. Non, comme ça. Voracité, V-O-R-A-C-I-T-E-S. Vermillon, V-E-R-M-I-2-L-O-N. Imaginaire. Non, trop long.
Imaginez. I-M-A-G-I-N-E-E-S. Italien. I-T-A-L-I-E-N-S. Oh, inabouti. I-N-A-B-O-U-T-I-E-S. Ah non. Putain. Inabouti. I-N-A-B-O-U-T-I. E. Bon ben inabouti, hein, I-N-A-B-O-U-T-I-E. Le G, non. Le G ne vous intéresse pas. Non. Bon. Douanière, D-O-U-A-N-I-E-R-E. Dispenser, D-I-S-P-E-N-S-E-R. Fournaise, F-O-U-R-N-A-I-S-E. Familiale, F-A-M-I-L-I-A-L-S. Bon. Féministe, F-E-M-I-N-I-S-T-E. Feuillage, F-E-U-I-2-L-A-G-E. Allez, encore deux minutes. Courtisan, C-O-U-R-T-I-S-A-N. Kakoshim, C-A-C-O-C-H-Y-M-E. Chevalin, C-H-E-V-A-L-I-N-S. Citadine, C-I-T-A-D-I-N-E-S. Curetage, C-U-R-E-T-A-G-E-S. Curiosité, C-U-R-I-O-S-I-T-E. Soudanais, S-O-U-D-A-N-I... Soudanais, S-O-U-D-A-N-A-I-S. Symphonie, S-Y-M-P-H-O-N-I-E. Segmenté, S-E-G-M-E-N-T-E-R. Segmenté, S-E-G-M-E-N-T-E-R. Fabienne. Stomacal, S-T-O-M-A-C-A-L-E. Même. 35 secondes. Ah, bah. Mercureux, M-E-R-C-U-R-E-U-X. Mirifique, M-I-R-I-F-I-Q-E-E. C'est pas mal, hein. Reverdir, R-E-V-E-R-D-I-R, je crois que c'est trop court. Réverbère, R-E-V-E-R-B-E-R-E. Revendeur, R-E-V-E-N-D-E-U-R. Vous vous rendez compte ? Il en manque un. Il en manque un. Ça, c'est, le, c'est inabouti, là. C'est vrai, c'est inabouti. Vous avez perdu un temps fou sur inabouti. Ouais, mais stomacal, vous aviez le thé était devant vous, si je puis dire. Le thé était hein, un petit thé pour fêter ça. Ouais. Ouais. Je sais, c'est facile, mais enfin bon, c'est un peu moqueur, je sais. Ouais. Fabienne, Philippe, nous gardons nos 2000 euros, mais nous vous gardons également, parce que vous allez revenir et il y aura un peu plus la prochaine fois. Et il y aura 3000 euros pour vous. Vous aurez encore un petit peu de force. Oui. Ah, puis c'est sympa, hein. Oui, ah, vous, ça va. On s'amuse bien, vous avez l'air à l'aise. Ouais. Il faut me travailler. Le mélange, oui. Le mélange. Plaît. Parce que vous êtes un petit peu. Vous faites digi-digi-digi-digi-digi-digi, vous voyez, avec les mains. C'est, hein. Mais en plus, il y a Tom qui me met la pression, alors. Ah oui, c'est pour ça que vous ne serez pas le bienvenu à. Sur la Riviera. À Beaulieu. Voilà. Sur la Riviera. Limousine. La Riviera Limousine, dont vous me parliez souvent, d'ailleurs, Tom. Vous aviez une occasion inespérée. Bah oui, mais moi, je suis là pour vérifier si les candidats mélangent bien, excusez-moi. Ouais. Mais n'hésitez pas à intervenir physiquement de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir. Vous savez que vous êtes les bienvenus ici tous les jours de la semaine pour Motus. Bonne journée, à bientôt.